Marlène Schiappa dans la bande d'Estelle Denis. Ça fait longtemps qu'on pensait à elle. Mardi 17 septembre, l'ex-secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative rejoint la joyeuse bande de l'émission Astérisque Estelle Midi sur RMC et RMC Story. Un nouveau challenge pour Marlène Schiappa qui ne semble pas faire peur à sa future patronne. Bien au contraire. De ministre à chroniqueuse radio, voilà un virage inattendu. Pourtant, s'il y a bien une ancienne personnalité politique capable d'effectuer cette transition, c'est bien Marlène Schiappa. Également écrivaine, la jeune femme s'apprête à faire ses débuts aux côtés d'Estelle Denis sur RMC. Et elle ne sera pas la seule nouvelle, puisque l'ancien judoka, et ministre également, David Douillet, ainsi que l'humoriste Pierre-Antoine Damcourt rejoindront l'émission. Un choix qui, pour Estelle Denis, sonne comme une évidence. Interrogée par la Tribune du dimanche, l'ex-compagne de Raymond Domenech admet « Ça fait longtemps qu'on pensait à elle, mais ce n'était pas possible quand elle était en poste. » Une décision visiblement motivée par la personnalité atypique de la femme politique. Elle n'a pas sa langue dans sa poche et nous apportera beaucoup sur les sujets politiques, mais aussi conso et sociétaux. Marlène Schiappa, ces deux célèbres émissions de télé qui l'attirent. Alors qu'elle s'apprête à intégrer le monde de la radio, Marlène Schiappa a récemment confié être tentée par une participation à des émissions de variété télévisées. Invitée sur le plateau de Jordan Deluxe le 30 août dernier, elle a expliqué à l'animateur de C8 qu'elle serait ravie de participer à Masque Singer ou à Danse avec les Stars. J'adore chanter. J'adorerais être déguisée en petite abeille et chanter une chanson. Je trouve que c'est familial, c'est mignon. Je vois bien mes neveux et mes nièces regarder l'émission, a-t-elle tout d'abord affirmé à son hôte, ce jour-là. Fan de danse, elle a en outre ajouté qu'elle aimerait ainsi réussir à danser un tango qui ressemble à quelque chose, notamment en participant à l'émission de TF1 Danse avec les Stars.